Et salut tout le monde, salut YouTube. On retourne, alors je sais plus comment ça s'appelle, mais au cimetière des Keyblade, je crois que c'est ça. On va voir, on retourne voir Xehanort. Master Xehanort, you wish to see me? There is no time to lose. I have terrible news. Ventress has stumbled upon the secrets of his origins. Ven? I just saw him. He passed right in front of me. What happened? Ventress is on his way home. If you could have seen the fury in his eyes. I'm certain he's capable of anything. I fear the boy may attempt to force the truth out of Ericus. Master Terra. You must hurry back and see to your friend's safety. Of course. Ouais, c'est ça. Il va falloir retourner au tout début. MMA. Hop. But you must exist no more. Ben! What? Master! Have you gone mad? Terra! I command you, step aside. No! You will not heed your master? I won't! Why do all my attempts to reach you fail? If you don't have it in your heart to obey, then you will have to share Ventus's fate. Enough, Terra! He's right! Quiet! Terra. You may be my master, but I will not let you hurt my friend! Has the darkness taken you, Terra? Wait, Terra! Aïe aïe aïe, bon on sait pas tout du coup, on sait pas tout, on sait pas trop ce qui se passe parce qu'on n'a pas encore joué avec Ventus. Mais oh, je suis en mode ténèbres, tempête des ténèbres. Le mode bresson. Wow. Je me suis fait enchaîner. Trop bien le mode bresson. Contre, du coup, je sais pas si je peux le réactiver. Ah bah si. En fait, ça va l'activer à chaque fois que je veux. Yeah.
Aïe aïe aïe. Wouah, ce que ça m'a enlevé. Tellement abusé. Ma manette est faible. Peut mourir maintenant. Non, pas mourir maintenant, j'ai dit. Voilà, ça a failli hein, j'ai failli choke là, sur la fin. What have I done? Master, I just wanted to keep Ben safe. No. You were right. I failed you, Terra. Perhaps I've no one to blame but myself for the darkness inside you. And now I've done worse. Raised my Keyblade against you and Ventus. My own heart is darkness. Ah! Master Ericus. What a sight. Why do you trouble yourself with remorse, Master Terra? The man was bent on doing harm to your friend, his own pupil. Master Xehanort, why? You know, at times I find your progress quite striking. But you still fall short. Let all that anger out, my boy. Give your heart over to darkness. What do you mean? Still so blind. Then I will make you see. Come to the place where all Keyblade wielders leave their mark on fate. The Keyblade Graveyard. There you will watch your dear Ventus and Aqua meet their ends. And the last light within you will die. What? Xehanort! Ven, Aqua,
I won't let him hurt you. Oh, la faux du chaos. Longue portée qui n'agit pas beaucoup sur votre magie, mais vous procure un bonus de force incroyable. C'est écrit, hein. Incroyable. Waouh. Bon, on va le quitter directement. Hein. Ça part sur, sur un équipage. Un équipage de Keyblade pété. Non, je suis pas au bon endroit. Mais on va en profiter pour... Qu'est-ce qu'on a ? Vas-y, fou. Qu'est-ce qu'on peut mettre ? Brume sombre. Trop bien. La brume brusse. Je sais pas si j'ai des nouveaux trucs à mettre là. Pas l'impression. Équipé. Faux du chaos. Wow. Ça double. Ça double ma force actuelle. Ça la met à 10. Ça met moins 2 en magie. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout. Waouh. Waouh. Incroyable. Incroyable. Allez, retournons au cimetière. Hop. For friendship. Nécropole des Keyblades. Keyblade Graveyard. J'espère qu'on va pas se retaper les tornades. Comme c'était tapé avec Aqua, parce que franchement, c'est vraiment la daube. Méchant qu'on va se les taper quoi. Elle est trop belle cette Keyblade. Elle est insane hein. Putain, ça serait genre sur un jeu récent, genre elle serait encore plus belle quoi. Genre l'œil il clinerait, il bougerait et tout, genre 100%. Elle serait elle doit être insane. Oh, il y a les tornades. Mon but ça va être d'en faire le moins possible. Attends, attends, pourquoi elle se déplace pas sur moi là, les tornades? Ah si, si, si. Ah, c'est juste que je suis trop rapide avec, avec lui. Ça me fait un peu penser à l'épée dans Soul Calibur. Ouais, exactement. Exactement, exactement. Alors là, cette fois, on va sauvegarder. Hop. Parce que bon, là, il y a les combats de boss qui vont s'enchaîner normalement. On arrive sur la fin. Hop, hop, hop. Voilà, les tornades elles m'ont pas rattrapé alors qu'avec Aqua elles m'ont rattrapé. Après là c'est parce que j'ai le double truc aussi hein. Avec Aqua je l'avais pas. Le double... Double... Comment on appelle ça? Truc. Ouais, Soul Edge. La double impulsion quoi.
was told the master was struck down. Yes, that's right. I was stupid and helped Xehanort do it. The master. He tried to hurt Ven. I only fought because I wanted to protect him. But I was tricked. Xehanort set the whole thing up. Also, he could awaken the darkness inside me. You were right, Aqua. And so was the Master. I did need to be watched. I went astray. But no more. What else is darkness but hate and rage? Xehanort is feeding the dark fires within you, making you fight. You'll go astray again. Tell me, how does that honor our master's memory, Terra? Xehanort wants me and Benitez to fight and make some kind of keyblade. But the Master said we can't let that happen. And he tried to destroy me for it. Keyblade? I still don't know exactly what it is. But it scares me to death. Even just the thought of it. Relax, Ben. We're here, and we're gonna take care of you. I may have to fight Vanitas after all. If I do, guys, I want you to... The three of us can never be torn apart, all right? I'll always find a way. I'm asking you, as a friend. Just... put an end to me. Lifeless keys used to be full of power, united with the hearts of their masters. On this barren soil, keyblades of light and darkness were locked in combat. As a great keyblade war raged, countless keyblade wielders gave up their lives, all in search of one ultimate key. And it will soon belong to me. Keyblade! Go, go, Power Rangers! Ah, donc là, je vais me frapper avec Xehanort, c'est ça? Xehanort, pardon. Non, peut-être pas. Je m'en vais. Thank you.
Are you okay? This was a journey you could make. Over the unseen wall that divides darkness and light. And I was not wrong, Terra! My friend, Ven. You tell me, Xehanort. What did you do to him? Why, I did him a favor and freed the darkness inside him. Alas, poor adventurers never had the fortitude for such strenuous trials. Xehanort! Whoa. Calmos. Xehanort et Vanitas en même temps? Ou juste Vanitas pour l'instant? Ah, on les deux. Nice. Ça a l'air d'être un combat facile. Partage la même barre les deux. Sale dégâts. Ah non, ils partagent pas la même barre. Ok, donc on va. On voulait bien s'occuper de Vanitas en premier. Nous arrive vraiment pas là, je suis Vanitas. Hein. Ah, en fait, on pouvait pas le toucher, Xehanort. On va faire un 1v1, un vrai. C'est juste qu'il aidait Vanitas en fait. En mettant des éclairs et tout. And despair. Let it empower you! You will pay, Xehanort. Was my master? No. My father, Ericus, not enough for you? Leave my friends alone! Yes, boy, that's it. More! Let your whole heart blacken with anger! Take that! Concede! Fire! Freeze! Thunder! Heal! Yeah!
Oh les ténèbres. Oh là là. Oh là 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 là. Incroyable. Oh là là. Je suis en mode tempête là. Oh là là, avec les ténèbres. What the fuck. Oh merde, dommage. Aïe. What? Passe quoi là? Ok. Ok, c'est bon, ça passe. C'est ok. Lui a niqué ça. And in with a younger, stronger new one. I swore I would survive and be there to see what awaited beyond the Keyblade War. And now it is your darkness that shall be the arc that sustains me! This heart belongs again to darkness. All worlds begin in darkness, and also end. The heart is no different. Darkness sprouts within it. It grows, consumes it. Such is its nature. In the end, every heart returns to the darkness whence it came. Your body submits, your heart succumbs. So why does your mind resist? Sur un combat final de type armure, vs mon corps. Et reprenez possession de votre corps. Nice. Là, il y a juste mon esprit. Oh, ces attaques, elles sont assez vénères quand même. Il y a un moment où je peux attaquer ou... Ok, ok, ok. Sinon, il y a un moment où je peux m'échapper ou comment ça se passe? Genre la fenêtre d'attaque, elle est assez... Elle est assez pas ouf. Tant que je reste loin, il n'attaque pas ou... ou bien? D'accord, oui. Il a une réponse à chacune de mes attaques.
Ah oui, c'est chiant. Si je me fais... Si il tape à chaque fois que je tape... Il n'y a aucun coup worse. Non mais s'il te plaît, je suis obligé de me le prendre cet enchaînement de merde aussi à chaque fois. There is a fucking problem. Ouais, oh, super. Oh, super. Le combat va être long, hein. Mais même là, quand il a fini son combo, je peux même pas l'attaquer. Mais c'est quoi ça? Il y a aucune... Il y a genre zéro fenêtre d'attaque et en plus il se protège. What the fuck, il y a zéro fenêtre d'attaque sur laquelle je suis gagnant en fait. Non mais c'est incroyable, hein. Ok, ça marche. Non mais en gros, si je reste au corps à corps, il y a genre aucun moment, où je peux l'attaquer en fait. Genre, waouh, c'est quoi ce boss? What the fuck? Et je suis censé faire quoi en fait? Genre le finir, le tuer avec glacier et brasier, alors que j'ai moins deux, sur mes sorts, sur ma magie. Pas ouf quand même. Et en plus j'arrive même pas à l'atteindre avec les sorts. Je comprends pas trop le principe de me faire péter là. Heureusement que j'ai soin parce que sinon j'irai pas bien loin. C'est insane, hein. Voilà, il fait son combo. Il tombe, si là je l'attaque, il se protège. J'ai une fenêtre d'un coup, mais je me suis pris un coup. Là. Ah non, là j'aurais pu. Mais c'est insane, hein. En fait, faut venir contre lui full magie, en fait, c'est ça. Tout le contraire de ce qu'est Terra. C'est embêtant. J'avais pas plané. J'avais pas planète ça. Non mais vas-y, qu'il y a des attaques, ils les utilisent plusieurs fois d'affilée en plus. Ah là, je prends la sauce, là, la big sauce. Voilà, super. Je ne sais pas comment faire pour combattre ce boss. Genre je n'ai pas de solution là actuellement, à part lui mettre un coup, en prendre 40, me soigner, lui mettre un coup, en prendre 40, me soigner. Genre je ne vois pas de solution à ce boss. Ils ont pas un peu craqué du slip quand ils l'ont fait, sérieusement? Non, parce que... C'est quand même bien de pouvoir attaquer un boss, quoi. En fait, il se protège... Enfin... S'il attaque pas, il se protège, en fait, genre. C'est insane. Je comprends pas. Ouais, ou alors, il esquive. Ça sert même à rien d'avoir des sorts parce qu'il esquive. Super, le full combo dans la... La full vague dans la tronche, midlife. Je sais pas quoi faire en fait, genre... Il lui reste 4 barres de vie, genre je... Actuellement je suis perdu. Je sais pas quoi faire, genre qu'est-ce que tu veux que je fasse en fait là? Qu'est-ce que tu veux, qu'en mode débutant j'aille monter niveau 100 Terra pour pouvoir le one shot, ou comment ça se passe? C'est quand même pas très logique tout ça. En fait, il y a un fossé entre ce boss et les autres. Il y a un fossé énorme en fait. Genre, je comprends pas. Comment ils te lâchent? Comment ils peuvent te lâcher un boss comme ça, genre? C'est pas normal. Je suis sur le cul, je lui ai toujours pas enlevé la première barre qu'il a. Genre, je peux pas, je peux même pas l'approcher.
Alors s'il y aurait une solution, c'est d'utiliser ça. Ah bah ça fait cette attaque, trop marrant. Voilà. Mais maintenant je l'ai plus. C'était une solution. Mais malheureusement ça le one-shot pas. Donc c'est bien joli mais... On va pas se mentir, c'est pas ouf. Ouais, mais il me fait trop mal en plus, genre c'est insane. Allez, on va lui enlever au moins la première barre. Ah, ok, super. Ouais, la première barre d'enlever, ouh. Je suis censé faire quoi maintenant? Je comprends pas. Là, j'ai pas la solution. Il y a peut-être un build des attaques à avoir particulières avec contre ce boss, mais là... Genre en y allant un peu YOLO, genre c'est pas possible quand même. Alors que j'ai fait quand même exprès de prendre le mode facile pour pas avoir ce genre de problème quoi, tu vois. Ouais. C'est con parce qu'on était sur la fin quoi. On était sur la fin, on nous pond un boss complètement pété as fuck, enfin genre ça aurait été trop bien quoi, genre ça serait fini et tout le monde serait content, on serait rentré à la maison, on serait tous en train de faire dodo actuellement, enfin voilà quoi. Genre content quoi. Mais non. Il fallait qu'il y ait un boss ultra relou. Je lui ai rien enlevé là, c'est le pire. Là je lui ai rien enlevé du tout, c'est... Ah c'est moche. Je sais pas quoi faire, c'est insane. Donc en fait là... Le seul et unique truc que... Parce qu'en fait je peux même pas... Je peux même pas avoir des dégâts en fait, parce que je peux même pas charger un pouvoir, genre je peux pas charger mon pouvoir de feu, mon impact critique, genre je peux même pas le charger parce que je le tape pas assez. Et... Bah je sais pas en fait. Genre la seule solution que j'ai actuellement, c'est genre quitter le combat, donc revenir à ma sauvegarde, ma dernière sauvegarde, avant tout ce qui s'est passé. Donc c'est-à-dire avant le combat contre Vanitas et tout. De retourner aux anciens mondes, d'XP comme un porc et... et youpi, monter niveau 50 sur un mode débutant pour pouvoir tuer Xehanort forme Terra. C'est quoi l'intérêt? Genre. Ok, je veux bien, c'est le boss de fin, machin, blabla. Ok, super. Mais il y a un moment, enfin, genre, quand il te fait cette attaque 6 fois de suite, merci. Il y a genre aucun intérêt, quoi. Enfin. je veux vraiment pas être de mauvaise foi, mais. Genre. Ah! Je suis ultra frustré, là. Je suis ultra frustré. Donc des bisous sur YouTube, je vais mettre fin à cette VOD parce qu'elle fait 40 minutes et elle va durer encore plus longtemps si je continue comme ça. Donc je vais aller dans mon coin, les XP, et je referai une VOD juste pour le battre, le one shot et regarder les cinématiques de fin, voilà c'est tout. Alors qu'on aurait pu très bien faire tout ça sur une seule VOD. Enfin bref, c'est pas grave, des bisous sur YouTube.